Célébrations comme les mariages, parfois des célébrations de plus malheureusement qui
Mais voilà, donc je reviendrai après ce mariage. En tout cas, amusez-vous bien. Et comme disait Pascal Sevran, on n'est pas bien là. Oui, je crois qu'on est bien là. Et je voudrais juste, si vous le permettez, après ma femme va venir me rejoindre, donc Karine. Parce que si j'ai passé autant de temps sur les anciens depuis de nombreuses années, c'est aussi parce que j'ai une femme qui, voilà, qui est formidable. Un grand merci d'applaudir. Et puis je vais passer la parole à M. le député, qui aussi tient à vous dire quelque chose. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, je pense que M. le maire a tout dit, mais il m'appartenait véritablement de vous saluer Sergent Véroni, merci beaucoup pour votre présence, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs, juste vous dire un mot, simplement vous saluer, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation de l'ensemble des élus de la ville de Saint-Chamin. Vous avez vu, ils ont tout prévu pour que vous puissiez passer un après-midi de plaisir, un après-midi où il fait bon vivre ensemble. Alors, du fond du cœur, je voulais vous le dire, vive cette belle et grande commune de Saint-Chamin. Merci beaucoup. Allez, une dernière chose, je voudrais que le bel cuisinier sorte de sa tanière là-bas derrière, puisse se montrer. Donc Gérald, si tu m'entends, si tu peux passer la tête à travers le rideau pour qu'on puisse t'applaudir. Tu es où Gérald? Tu es derrière, alors viens nous rejoindre. Un grand applaudissement pour notre maître cuisinier de France, Gérald. Bon appétit à vous et bonne journée.
Thank you.